Yo tout le monde, ici The Nico, alias Nicotix, parce que oui, le nom va disparaître, donc je ne vais plus appeler ma chaîne The Nico, mais bien Nicotix 22. Pourquoi? Ben voilà, ça a toujours été ça au début, ça a toujours été, après voilà, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, c'était The Nico, donc les anciens vont connaître le nouveau maintenant, qui va être Nicotix 22, donc dans les paramètres, il faudra que je change tout ça. Mais voilà, ça va changer. Donc hier, on a fait une petite mission dans la campagne, je sais pas si vous l'avez vu, mais pour ceux qui l'ont vu, donc Mason a sauté de l'avion Pourquoi t'as-tu pas tué? et s'est fait prendre en otage. Vous allez voir par qui, mais voilà. Allez, let's go. Non, mais oh fuck. Hop. Et c'est parti. C'était un piège. Il savait qu'on venait. Ce salaud, Dragovic. Le russe. Ouais, il avait tout préparé. Où Dragovic t'a emmené? En Russie. Un camp de travail. Un enfer. Appelé Vorkuta. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à Vorkuta, Mason? Qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait? Pourquoi Castro ne t'a pas tué? Pourquoi te donner à Dragovic? Castro et Dragovic travaillaient ensemble. Ouais, t'étais un cadeau. Ouais. C'est vrai. Vorkuta. Me battre. Juste pour survivre. Que s'est-il passé à Vorkuta, Mason? Je suis resté tout seul. Presque un an. Souviens-toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mason? J'avais perdu espoir de pouvoir m'enfuir. Mais Victor Reznov avait un plan. C'est qui? Thank you.
doivent savoir que c'est du suicide. Il ne peut y avoir de victoire sans sacrifice. Nous autres Russes le savons mieux. Préparez-vous, messieurs. Personne! Par ici! Les canons de la tour vont nous massacrer! Reste là! Croyez que Besson avait un plan! Faites confiance! Allumer là. Allez,
Ont gazé. Suffoqué. Alstorff était encore avec toi. Il m'a jamais quitté.
tiendra pas longtemps. On n'a pas beaucoup de temps. C'est dans ce temple de la décadence des dirigeants de Vorkuta que repose la clé de la phase 8. Liberté. Ne me demandez pas comment je vise, mais je sais pas. Moi je dis comme ça. Et c'est toujours vrai. Le gouvernement voulait Dragovich. Il voulait que tu le tues. Oui. Et il y en avait d'autres. D'autres que je devais tuer. Qui Mason? On y est. Pourquoi le Pentagone? Hudson m'a rien dit. À l'autorisation. Votre convoi est prêt, monsieur. Bienvenue au Pentagone. On est en retard. Secrétaire McNamara. Votre réputation vous précède, monsieur. Dépêchez-vous. C'est tout de même la sécurité nationale qui est en jeu. Il ne craint personne, n'a pas d'état d'âme, pas de faiblesse. Il s'appelle Dragovich. Je crois que vous êtes déjà rencontré. Quand dois-je le tuer? Content que vous soyez de retour, Messa. Salut.
Notre invité. Il est là. C'était comme si tout le monde nous regardait. Me regardait. Mais son. On pouvait se fier à personne alors. Même pas à soi-même. D'où notre présence, Mason, pour pouvoir t'évaluer. La crème de la crème mondiale. Juste ici. Toujours disponible. On a toujours gardé l'œil sur toi. C'est impossible. J'étais au Patagon. Veuillez lui dire qu'on est là. Pas de passe, monsieur. Autorisation, Prospero. Héros distingué. Je me souviens. J'entendais des nombres. Je pouvais pas les sortir de ma tête. Autorisation, Ariel. Veillez. Juste un truc me dévorer. Il attend. Quoi, Mason ? Le centre d'opération. Je crois pouvoir. Alors, je vais mettre pause, les gars. Hein, et je vais vous poser une seule question. Souvenez-vous de cet endroit. J'étais comme dans un... Pour ceux qui jouent à Black Ops, ouais, savoir c'est quoi. Et il y a une map dans un mode où on peut aller dedans. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensiez et de quelle map vous pensez. Ça marche toujours. Impressionnant, hein? Pas encore. C'est Korax. Ce sanctuaire a été bâti en 1943. On l'utilise rarement. Merci, monsieur le secrétaire. Bonne chance, Mason. Monsieur le Président. Agent Mason. C'est un honneur, monsieur le Président. Asseyez-vous. Nous sommes sous la menace des communistes. Notre liberté... Notre mode de vie est en danger. Ah là 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 là. Nikita Dragovitch. On me dit que vous êtes notre meilleur homme. En tout point. Je vous le souhaite. Monsieur Mason, chargez-vous de ça. Des nazis, des savants cooptés par les Russes après la guerre. Il avait besoin de leur savoir, de leur connaissance. Opération 40 avait placé un agent double au plus près du groupe Ascension. Grigory Weaver. Sa mission était de saboter la fusée. Mais ça a mal tourné, Mason. Ah, oh, j'arrive pas à me sortir ces nombres de la tête. Voilà les gars, on va se finir sur ça, hein. On va faire d'abord cette mission là, on va filtrer le cosmodrome. Pas de réponse de Weaver, faut qu'on y aille. Pour le chapitre 2, hein. Dites-moi si vous avez bien vu la vidéo, etc. Si, on se bouge. Si vous aimez bien ce que je fais, on va dire, pour l'instant. Voilà. Puisqu'il est coupé. Je trouve que bientôt décoller. C'est un beau bon truc à faire avant de jouer à Code War. On a plus beaucoup de temps, Mason. On y va.
plus, voilà. Je trouve que le jeu Code War, bah, normalement, je pense que je pourrais jouer le 9 en avant-première. Maintenant, je ne sais pas si ça sera le multi, je ne sais pas si ça sera la campagne, j'ai pas de message par rapport à ça. Donc, je ne serais pas à vous dire. Il faudra attendre. Je suis énormément pressé de jouer. Yankee 1-3 au rapport. Yankee 1-3 au rapport. Weaver ne répond plus. Tiens, regardez ce qu'on a là. Le compte à rebours a commencé. Voilà Soyuz 2. Décollage prévu 10 minutes après Soyuz 1. Mason, il y a de l'activité sur la route. Va voir ça. C'est Weaver. Ils l'ont chopé. Votre collègue se refuse à expliquer sa présence dans cette enceinte. Putain, c'est qui ça? Rendez-vous. Et vous aurez tous la vie sauve. C'est Kravchenko, sous-commandant Dragovich. C'est votre dernière chance. On ne peut rien faire, Mason. Weaver est foutu. Je sais. Tant pis. Ça sent l'embrouille. Whisky, position. Reçu, X-Men. Whisky court la route. Weaver s'est fait prendre. La base devrait passer en alerte maximale. Gardez les positions. On est en approche. Compris. D'accord. On y va. Suis-moi et me lâche pas. Ok, Woods. C'est bon. Manie-toi. Il me pose ses uniformes. Je prends celui qui nous sert. Tu bouges. Allez. Sauver Weaver était plus important que ton objectif de tuer Dragovich. Weaver était russe. Mais il était sympa. J'espère que t'as appris le russe à Vorkuta, Mason. Ça devrait aller. Faut qu'on sauve Weaver. Ne tire pas. Joue ton rôle. Эй, собаки, покарайте. Ладно, будьте начеку. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их. Да, да. C'est bon. X-Ray, ici Whiskey. Ennemi en vue, je m'en occupe. Qu'est-ce qui est arrivé à Weaver? Il a été compromis. On continue comme prévu. On se créera une autre occasion. Bon, on y va. Что происходит? Повышение давления. Двадцатки 12А. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна вспомогательная линия колебания. Ты уверен? Уверен. У нас проблема. Охрана квадрат не выходила обратно. Не выходить на связь. Je crois qu'ils ont trouvé les cadavres. Non, c'est bon. Faites juste comme vous. Bâtiment des coms, droit devant.
Sniper! Sur le toit! Deux gens en faction devant! Un problème, de noi. T'es prêt? Nettoie bien tous les étages. Je coupe les communications. Par ici. Arbalète, pointe explosive, vite! Couvre les chaînes. Ennemi, on approche par le nord. On est coincé. On a de la compagnie. Ils sont bloqués. Détruis ces véhicules. À droite. C'est bon à gauche. Tu peux poursuivre la mission, Weaver. On y va. Tu as saboté le système de guidage. J'étais compromis. Trop tard pour la jouer fine. On passe au plan B. On peut peut-être encore bloquer le lancement. Il faut rejoindre le bunker auxiliaire de commande. Tu as sauvé Weaver. Tu n'avais plus qu'à trouver le groupe Ascension et tuer les savants. Non. Je devais tuer Dragovitch. Le reste de nous. Mason, avec moi. Bougez-vous. On a un combat sur les bras. À la rambarde. Ennemi. À la rambarde. Ennemi. Descendez-les. Ennemis à terre! Ennemis à terre! Firmez!
Mason, fais un trou dans ce putain de mur. Prêt. Je veux détruire cette fusée, à tout prix. C'est trop tard, je peux rien faire. Plan B, Bowman, à quoi de jouer? Ça doit le faire. Tire, Mason! Vite! Non, Dieu! Sacrée façon de tester un prototype. Putain de plan. On va essayer de s'enfuir du complexe. Bowman, Brooks, faites le tour jusqu'au tunnel nord. Personne ne sort par derrière. Mason et Weaver, avec moi. Kravchenko s'est enfui avant qu'on le rattrape. Tu étais tout prêt. Dragovic était là, pas vrai? Ce salopard est introuvable. On a volé un BTR pour foutre le camp là. On perd notre temps, il est complètement fou. Mais on est tombé sur la voiture de Dragovic. Je le tenais. Satisfait, Mason? Pas encore. Pas avant d'avoir vu le corps. Dragovic, est-ce que la cible est morte? Moi, ce salopard n'est qu'un petit absent.
je savais que Dracovic était en vie. Donc voilà les gars, mission finie, donc on en a fait deux, voire même trois je pense. Donc voilà, ici on va se stopper là. Et moi je vous dis bah, très bientôt parce que je risque de revenir très vite. Hein, parce que voilà, Call of c'est un jeu que j'adore. Donc voilà, malheureusement, je... Bah, pas malheureusement, mais en tout cas je ne vais pas jouer sans être en live. Ou même en vidéo, dans tous les cas c'est la même chose. Mais voilà, dans tous les cas, je ne vais pas jouer en mode solo, donc tout seul, non. Je serai toujours accompagné de ma petite vidéo que je vais poster donc sur YouTube, que vous pouvez aussi en profiter. Donc moi je vous dis à très bientôt. Ici bah c'était Nicotix22, donc sur YouTube pour l'instant c'est toujours The Nico, mais voilà, pour l'instant ça sera et ça restera Nicotix22. Et si vous voulez plus de vidéos comme Call of ou Euro Truck, GTA, Fortnite 5M, dont ce jeu là ce n'est pas un jeu, c'est le mode RP du GTA. Après il y a Fall Guys et le Warzone. Donc voilà, si vous voulez plus de vidéos, dites-le moi. Hein, en tout cas, partagez, commentez, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc comme ça, je vois aussi que vous êtes toujours là. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine et ciao ciao.